Les herbes folles et sèches de cette fin d'été chantent sous les caresses de la douce brise. Nous surplombons le féerique marais. Tout est calme. Alentour, la vie mène son cours. Chacun vaque à ses occupations. Les métives sont terminées. Les gerbes sont dans la cour, les femmes sont à la préparation des repas jusque tard dans la nuit, car ils seront nombreux autour de la table et de gros appétits. La batteuse est arrivée hier soir et les mécanos l'ont bien équilibrée et graissée. Ce matin, 5 heures, les premiers gars sont arrivés dans la cour, un bon café et une petite gnôle. Le tracteur tout saute déjà depuis un moment derrière la machine. Un coup de sifflet, le mécano pousse alors la manette de régime et la grande courroie se met en action. Les postes de travail sont désignés par l'ancien et le ronronnement de la batteuse éveille les derniers endormis du village. Aujourd'hui, c'est chez le Pierre. Ah, il y en aura pour la grande journée, voire plus. Et jusqu'au soir. Les démailleurs, les porteurs de sacs, les paillassous ont pas fini d'en suer. Une petite gorgée pour l'engrenage, ça fait passer la poussière. Mais quelle ambiance! Des blagues, des rigolades, des paris insensés. Attention les droyères, à pas vous faire mettre dans un sac. Chauffé 15 de drôle. Le corps fait sortir la grogorette. Et maintenant, puis il est content de son coup. Qui te le ferait pas pour amuser la compagnie? Oui, en ce temps-là, les battages, c'est de vraies vacances. Entrecoupés de bons repas, bien arrosés. Et tout ça durant tout un mois, aller de cour de ferme en cour de ferme. Et ce soir, c'est le bouquet. La jeune droyère de la maison reste à marier. Alors la tradition veut que la droyère en question, elle monte sur le paillet avec un bouquet de fleurs pour le coiffer. Va falloir sortir les bonnes bouteilles. Ah, on n'est pas couché.